intéressant, mais les joueurs vont devoir accélérer pour essayer d'avoir un peu plus d'ambition. Le joueur du Real Madrid qui engage. La proposition de l'équipe locale qui s'affiche. Voilà, côté tactique, c'est une équipe qui va évoluer en 4-5-1. Voici donc la composition d'Arsenal. Et pour ce match, l'entraîneur a opté pour un 4-3-3 avec un faux numéro 9. Et c'est un but de Cristiano Ronaldo. Un nouvel angle de vue pour apprécier ce but.